Tiens, tiens. Nani? Ima no. Ano kage, kono tobira no naka ni haitetta no kana? Ittai nan na wake? Watashi mo haaku shite masen yo. Datte isshun deshita shi. この扉から探索を始めるのはどうだ。他に手がかりらしいものもない。怪しげなものがあるなら追って損はないだろう。では探索の方は皆に任せよう。ブーンを祈るぞ。OK, c'est là que je vais choisir mes persos, je présume. En fait, l'idée, Hoodie, c'est que quand Isdis va sortir, je vais passer sur Isdis pendant plusieurs jours. Ensuite, je reviendrai sur Métaphore et après, je vais alterner. Alors, je sais pas sous quel rythme. Ça va dépendre combien d'heures j'ai passé sur Métaphore et ce qu'il me restera à faire. Attends, quoi? On peut être à 5? Quoi? Il y a un problème là, non? Ah oui, d'accord, il me semblait bien. Bah en route. La chambre de velours. Je vais peut-être voir pour les personnages. Ce serait bien d'avoir au moins un truc un peu balèze. Bienvenue dans la chambre de velours, j'attendais ton arrivée. L'heure est venue pour toi d'utiliser ton pouvoir. Mon rôle est de créer de nouvelles personas. Je peux combiner plusieurs cartes persona afin de les faire renaître sous une nouvelle forme. C'est ce qu'on appelle la fusion. Ton pouvoir avec les personas a un immense potentiel caché. Nous sommes ravis d'accueillir un nouvel invité aussi prometteur. Si tu veux en savoir plus à propos de la fusion de persona, viens me parler. Non, ça va, je dois à peu près m'en souvenir. On dirait que tu as acquis un nouveau pouvoir. Je crois que tu appelles ça théurgie. Comme tu as encore gagné en puissance, tu devrais pouvoir combattre de façon plus efficace et élégante avec tes multiples personas. J'en ai qu'une pour le moment. Bon, vas-y. Alors, c'est pas vraiment fusionner qui m'intéresse. Par contre, je vais pas pouvoir vraiment les appeler puisque j'ai pas de thunes. Mais y a pas du tout ce que je pensais. Ah si, j'ai compris. Comme on est niveau 25, j'ai que celles que j'ai débloquées jusqu'au niveau 25. D'ailleurs, il m'en manque. Ou alors c'est des nouvelles, j'en sais rien. Et après... Alors tout ça, c'est débloqué parce qu'on voit clairement... Enfin, je pense, hein. On voit l'arcane. Mais par contre, c'est over quoi. J'en sais rien. Faut tout recompléter. Attends, il y a écrit 26% là, pardon. Non, mais j'ai mal chargé la sauvegarde, c'est pas possible. Non, elles sont là. Attends, c'est qu'il m'en manque tant que ça? C'est possible qu'il m'en manque beaucoup, hein. Parce que là, j'en ai plein. Je comprends pas. Par niveau, je les vois quasiment toutes. Attends, mais ça n'a aucun sens. Elle s'était pas chargée ou quoi? Il y en avait trop? J'ai rien compris, mais là on voit qu'en tout cas elle s'affiche. Bon, avec 2000 balles, de toute façon, je peux rien prendre. Hein. Quoique. Peut-être que si, les premières, oui. Ouais, je peux en prendre une. Allez, salut. Hein. Non, parce que si j'avais pas eu les personnages là, putain, je me... Je me shootais, hein. C'est moi qui vais faire un éveil, quoi. En route, mauvaise troupe. La silhouette sombre de tout à l'heure, elle est entrée ici, n'est-ce pas? Je ne crois pas que c'était... Pardon, je ne voulais pas m'emporter comme ça. C'est la première porte. Je me demande ce que nous allons trouver à l'intérieur. Si nous ne passons pas cette porte, nous ne pourrons rien faire. Nous n'avons pas d'autre choix que d'entrer. Tout le monde est prêt? Je vais faire de mon mieux pour tous vous soutenir.
On dirait un bâtiment ordinaire à l'intérieur. Je vais jeter un rapide coup d'œil. Masako. Ces signaux? Oh non. Des ombres, soyez prudents. Je détecte plusieurs ombres à l'intérieur. Tenez-vous prêts à vous battre. Là, encore rose. Ok. J'espère que je vais pouvoir les surprendre. Je trouve que ça tourne pas très vite par contre. Il y a vraiment tous mes paramètres qui ont sauté. Ou alors, peut-être que c'était comme ça, mais... Ouais, c'est déjà un petit peu mieux. Mais non. Il y a une ombre juste devant nous. Devant vous. Mais elle ne vous a pas encore remarqué. C'est une balèze celle-là, non? Aegis, comme tu es équipé d'armes à feu, tu peux certainement la battre à distance. Si tu es suffisamment loin de l'ombre, elle ne remarquera rien. Tu veux essayer? D'accord. Bon, les tutos, c'était vraiment nécessaire. Ah, ça auto-cible, ok. D'accord, ça s'affiche. Le Naruto Run, ouais. Très bien, c'est parti. Alors, il faut que je me rappelle de certaines choses. Son attaque à elle, c'est pas une attaque de frappe, c'est une attaque perforante aussi, je crois. Bon, très bien. Ouais, j'ai perdu les faiblesses, ouais. J'ai plus les faiblesses du tout. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je sais pas. Alors elle tape avec quoi en fait? Un truc comme ça peut-être? Je sais pas. Bah oui, tant qu'à faire. Toi. Ça va être un petit peu chaud au début, mais on va vite retrouver nos marques. Là où c'est très embêtant, c'est les objets. C'est vraiment les objets, je trouve. Alors, arcane majeur. Ah oui, c'est vrai. Très bien. Vous ne pouvez obtenir qu'une carte de chaque arcane majeur par expédition. Ouais, parce que là, je peux en mettre qu'une. Par contre... Comment ça se passe? Parce que là, c'est une journée qui va se répéter sans arrêt. Donc, est-ce qu'on peut sortir du donjon, revenir? Enfin, ça, je sais pas du tout comment ça va se passer là. Pareil pour les thunes, est-ce que ça a un intérêt? XP? Non, je pense Persona. Hein. J'ai besoin de pouvoirs différents là. L'autre, je vais le pousser à fond. Bon, malgré tous ces trucs de perdu, ça me fait quand même super plaisir de retourner sur le jeu en fait. Hein. Il est beaucoup trop bien. Ah oui, déjà. Ah oui, il faut que je fasse gaffe, là, c'est Aegis. Qu'il faut pas qu'elle meure. Sinon, c'est la crise. Hein. Enfin, j'avoue, de devoir retrouver des faiblesses, tout ça, ça va être marrant. Pour le moment, j'y vais à l'économie, évidemment. Bon, après, il y a un truc qui trompe pas, hein. C'est la couleur du masque, évidemment. Oh, ça va, on a encore ça aussi.
Ah. C'est vrai que j'aurais dû regarder, mais... ça m'a un petit peu échappé. Mal et Bolg, SS1, ok. Ouais, je suis très curieux de savoir comment ça va se passer pour le temps. Ça se trouve, je vais faire plein de trucs, et après la journée redémarre et tu perds tout. Aegis peut stocker combien de personnages? Je crois que c'était 10. Hein. Plus. 3, 6, 9, 12. Qu'y a-t-il? Non. Mince, elle allait dire quelque chose, mais je l'en ai empêché. Comment on affiche le plan? Comme ça. Oh non. C'est ce que je craignais. Cet endroit est comme Tartare. Et ce que l'on a vu tout à l'heure, j'ai un mauvais pressentiment. Faites attention. Yatta. Trouver une ombre rare, ça y est, ça commence déjà. Je vais me faire pointer les fesses déjà. Bon, c'est bien quand même de pouvoir taper à distance comme ça. C'est vrai, j'aime bien. Ouais. Par contre, j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal de PC. Alors, c'est peut-être parce qu'au niveau 25, on avait autant. Je sais pas trop. Je pense pas que ce sera réellement un problème en fait. Rébellion, je crois que c'est du crit pour tout le monde. À mon avis, il y aura une sorte de magasin. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais... on va voir. Turquoise. Ça va être pour recharger, I guess. Ça va être de la glace, à mon avis. Non, c'est du feu, j'ai rien dit. C'est vrai que je les avais déjà rencontrés. Ouais, évidemment. Il n'y a plus qu'à faire un crit, quoi. Là, du coup, je vais me galérer. Un ennemi. Ouais, j'ai tout intérêt à faire ça. Sinon, je vais me galérer justement à les toucher. Ça va être abominable. Orpheus.
C'est de combien le bonus? Pour voir si ça vaut le coup. Pas mal, je crois. Tiens, mais c'est ça. Plutôt celle-là. Oh, stylé la faux. Seriously? Il n'y a pas un passage là? Non, impression. Aegis, je voulais te dire, je suis sûr que tu le sais déjà, mais garde un œil sur la santé de tout le monde. Si quelqu'un est mal en point, fais en sorte de le soigner, s'il te plaît. Tant que l'on se serrera les coudes, je sais que tout ira bien. Je compte sur toi, chef. Non, non, je vais les regarder crever. Je pense qu'il craint la place. Il est dans le doute. C'était ça. うまく決まったな。アイギスの妹だけあって実力はあるようだな。その通りです。なんたって姉さんの妹ですからね。 Parfait. Shadow, il est mort. Ouais, je regarde les théurgies aussi, j'ai dû en perdre. Je crois que j'en avais qui rendaient des PC. Je sais plus. Il faut savoir sur quel perso aussi. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Tant que je sais pas, peut-être que je vais prendre de l'XP plutôt. Comment que ça marche déjà? Stats.
Thaumaturgie. Rend 50% des points de vie, augmente précision, esquive. Ok. Dégâts de vent. Dégâts électriques. Dégâts de lumière. Ouais. C'est elle en fait qui peut rendre des PC, je pense, mais comme elle a que celle-ci, bah c'est cuit. Ouais, c'est la méga grise. Changement, c'est ça que je cherchais. Le Baton Pass. Ah. Non, on va prendre ça. Des robots de taillade. Ouais. Je crois que ça, c'est un TP que dans un sens. Ah, je pensais que c'était là le mini-boss. Bon, finalement, c'était une mauvaise idée de prendre ce que j'ai pris. T'ont pas du tout augmenté. Le fait que j'ai changé des tâches, peut-être, je sais pas. Elle, c'est un peu dommage parce que du coup, elle commence avec des sorts moyens, même ceux d'attaque physique, et du coup, ça lui coûte beaucoup plus cher. Hein. Et on n'en a pas forcément besoin à ce stade. Bon, à moins qu'il y ait un boss qui craigne la glace, ça c'est une autre histoire. Après, là, c'est parce que je pars dans une optique où il va falloir économiser, mais... Peut-être qu'en fait on n'aura pas besoin. Hein. Ils sont un petit paquet là quand même.
ませんね。今調子いいかも。Tant pis, on va cramer les PC. Hein. Si je les crame pas en attaque, c'est en soin que je vais les perdre. Donc, oh, tu vois. Il fallait que je rate. Évidemment. C'est un problème, ça. C'est pas possible. J'ai une poisse un peu abusée là quand même. Hein. Ah, c'est vrai qu'il résiste à ça. Ça va rater encore. Non, c'est bon. Comme il n'y a pas eu la petite cinématique, je me suis dit, tiens. Bon, ça va. Heureusement, il y a ça. La RNG n'était pas avec moi sur ce combat. Il y a des fois comme ça. Hein. Il faut que je pense à rééquiper Orphée aussi. Varier les plaisirs un peu. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Bah ça, hein. C'est vrai que pour ça, le 4, il est beaucoup plus simple. Tu peux rester très longtemps dans le donjon, puisque t'as les cartes qui rechargent les PC. Si mes souvenirs sont bons. Après, Persona 3, c'est pas extrêmement compliqué non plus. Hein. On peut vraiment farmer comme des fous en retournant dans les premiers étages. Alors, c'est par là.
クラチなやからめ。Encore cela. Je les aime pas, cela. Ah, je me suis bourré de ça. C'est ballot ça. Bon ça va, il est dans le mal là. Ou pas. Ah mais non. Ils vont cramer tous les PC. Et Guy, elle a quasiment plus rien déjà. Bon après, c'est le destin de celui qui possède la carte X. Hein. Évidemment. Qu'est-ce qu'on fait ? J'aurais dû sauver. Alors, compétence Yukari. On prend pas de risque. Retournez au niveau exploré le plus profond. Vous trouverez des téléporteurs unidirectionnels. Vous pouvez les utiliser pour retourner immédiatement au désert de porte. Quand vous retournez au désert de porte, vous pouvez parler à Fuka à l'entrée pour revenir au dernier niveau exploré. Très bien. Ouais. Bonsoir Yann, comment ça va? Bon, pour le moment, je peux toujours avancer, mais comme là, je suis en début d'étage, on va voir. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire. Oui, c'est l'extension. L'horloge réagit au fragment du crépuscule. Donc il en faut 7, hein, comme c'était le cas pour l'aventure principale. Reste à savoir s'il y a d'autres manières de monter les PC. Et pour ça, justement... Faut que je vois ce que ça fait si j'essaie de sortir, par exemple. Alors, revenir de l'abysse du temps, emprunter l'escalier dans le désert de porte pour retourner au dortoir. On récupère les points de vie et les PC. La structure de l'abysse du temps change chaque fois que vous y pénétrez. Vous pourrez rouvrir les coffres déjà ouverts, alors n'hésitez pas à y retourner plus tard si vous n'arrivez pas à avancer. Est-ce que ça veut dire qu'on redémarre du premier niveau? Je pense pas.
On va revenir à l'étage... Au plus profond, en fait. Mais là, je retourne pas. J'ai encore des PC, donc c'est pas nécessaire. Oh non. Je pense qu'en fait, c'est plus simple, du coup. Je sais pas. On verra. J'aurais pu tester en rechargeant la sauvegarde si jamais on peut pas revenir au dernier niveau, mais... Il doit y avoir des paliers, quoi qu'il arrive. Là, évidemment, la structure n'a pas changé puisque je ne suis pas sorti. Je détecte un ennemi redoutable juste en dessous de toi. Tu risques de devoir te battre dès que tu descendras. Tu es prête? Oui. Avec la superbe musique. Alors, dégâts physiques qui nous renvoient dans la tronche. Mais on va utiliser les théurgies, évidemment. Alors, peut-être pas sur celui-là, d'ailleurs. Quoique. Pas trop mal. Ah non. Ah, c'est les trois ceux-là, c'est vrai. Bah, let's go, hein. C'est pour ça que je les ai gardés après tout. Ah ouais, ça c'est pas bien du tout ça. Oh purée. Alors, Persona. On va virer ça tout de suite, c'est beaucoup trop dangereux. Ah non, ça ils aiment bien, apparemment. J'ai failli faire une boulette. Du coup, ça m'a potentiellement donné leur faiblesse. Heureusement qu'il vient de jouer, lui. Hein. Que j'essaie de le finir ou est-ce que je soigne l'autre si je peux le soigner? Je pense qu'il est préférable de le soigner. Là, il n'y a pas de tétracarne par contre, donc c'est un peu moins grave. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bah lui je pense, hein. Mais j'avais dit que j'aurais tenté un truc. Ah bah j'ai pas avec ce perso là. Évidemment. Okay.
Je voulais tester du vent, bah c'est pas pour tout de suite. Oh le relou. En plus c'est lui qui attaque. C'est infernal ça. Alors ça c'est maxi dangereux hein. Parce que ça veut dire qu'au prochain tour elle va taper. S'il y a un tétracarne, je risque de le reprendre dans la tronche. C'est pas grave. Oh, elle est pas mal son attaque, hein. C'est un petit peu light, ça. Ah, ça craint pas le vent. Zut. Ok. On fait ça dans ce cas. Ah oui, c'est pas mal. Sa furie là, ça augmente bien sa puissance d'attaque. C'est pas mal du tout. Ah d'accord. De toute façon ils doivent craindre l'ombre. Je sais pas si j'ai des sorts pour ça, je crois que j'ai juste lumière. Mais ce serait logique. Shadow. Ça, ça renvoie, c'est génial. Heureusement qu'elle fait ça. Bon. Est-ce que j'ai un truc pour lui virer? Pas avec ça. Je crois que j'ai un perso qui peut virer ça. Sinon, ça veut dire qu'il faut que je fasse vraiment une toute petite attaque parce que. C'est chaud. Qu'est-ce que je pourrais lancer d'autre? A mon avis, ça résiste à toutes les attaques en plus de. À tous les sorts en fait. Attends, on va tester quand même. Ah ouais, carrément. Là. Voilà, comme ça il l'a pu. Oh là là. Trop de points de vie là.
doit quand même y avoir une faiblesse. Je vais regarder peut-être avec les PC. C'est vrai qu'on a encore... Fouka. Le feu? Ah, il me semblait que j'avais testé. Qu'est-ce que je lui ai balancé tout à l'heure? Peut-être de la foudre. Foudre et glace, ouais. J'ai testé ça, je crois. Très bien. Oh, il a quand même énormément de points de vie. Hein. Ah ouais, d'accord. Là, t'as l'impression que c'est un bouquin tout bidon en fait, mais non. ça réduit l'attaque, ça m'intéresse pas. Il faudra un truc pour réduire la défense. Bon, après, on a fait le plus gros là. Un truc s'était affiché. Ouais, c'est pas juste. Oh. Ouais. Évidemment. Ah, ça va, heureusement qu'il a fait ça sur Yukari, hein. Parce que s'il me fait ça sur Aegis, je suis comme un con, là. Ah, mais attends. Elle a sa théorie. Là, let's go, hein. Allez, on y est presque. Voilà. Pour un premier boss quand même, lui mettre des sorts de lumière, c'est un peu chaud quand même. Hein. La carte de l'arcane majeur de la papesse a été ajoutée au tirage de cartes. Merci Sony. Là. Les dégâts de l'assaut général augmenteront jusqu'à ce que vous cessiez d'explorer. Ouais, c'est ça qu'il me faut en fait. Hein. C'est carrément ça. Alors comme ça, il y a des ombres plus puissantes dans cette zone. Ça me rappelle vraiment Tartare. Alors, comment tu te sens, Aegis? Si tu es fatigué ou autre chose, n'hésite pas à nous le dire. Tout est arrivé si vite. Ça ne doit pas être facile d'être chef. Je vais bien. Si tu le dis, je suis contente de l'entendre. Dans ce cas, on y va. La silhouette a l'air d'avoir disparu elle aussi. Et si on avançait? Oui, carrément. Tiens, il y a une porte droit devant. Aegis, tu peux y jeter un œil? Hein? Où ça, une porte? À mon avis, elle n'est pas dangereuse. Elle devrait vous transporter ailleurs. Oh! Eh, mais alors toi, t'es vraiment l'oracle, hein, pour voir les trucs comme ça. Ah, d'accord. Est-ce que ce serait pas les... Je sais plus comment ça s'appelait, du coup. Mais des passages bis, quoi. Oh, bien. Je peux m'en servir? Non. Parce que moi, j'aime bien regarder ce que ça donne en plus. Donc c'est moi que je l'équipe. Ouais, je perds en précision. Alors déjà que je rate comme un fou... Bracelet vitesse, ça me plaît bien ça, c'est pour qui?
ruban rouge. Est-ce que ce serait pas un petit clin d'œil à Dragon Ball? C'est cocasse quand même pour un androïde. We'll be right back.